Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire.
j'écris le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Indescriptible majesté, nos mots sont dépassés face à tant de beauté. Nous élevons nos mains, nos cœurs s'unissent au ciel. Nous voici dans la présence du Père. Nous élevons nos mains, nos cœurs s'unissent au ciel. Nous voici dans la présence du Père. Esprit de Dieu, viens comme un feu. Fais
tous ensemble dans le lieu saint. À lui le règne et la puissance. Faisons monter notre reconnaissance. D'un même amour, d'un même cœur, nous entrons tous ensemble dans le lieu saint. À lui le règne et la puissance. Faisons monter notre reconnaissance. Esprit de Dieu, viens comme bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Je vous invite à vous lever. On va passer une belle soirée dans la présence du Seigneur. On va déclarer qu'il est notre bon berger, celui qui prend soin de nous. Et c'est une raison pour laquelle on aime le louer et l'adorer, parce qu'il prend soin de nous. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai.
Ma
racheté à la croix grâce à son sang. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé. Merveilleux, sa beauté sans pareil.
Jésus, le nom de Jésus.
Plusieurs vous êtes venus fatigués. Le Seigneur, dans son doux murmure et léger, il vient te relever de tes fardeaux. Continue de l'adorer avec Nina, tranquillement les instruments. Toi qui es addict, continue à louer le Seigneur. Mais le Seigneur veut libérer plusieurs. Continue Nina, continue. Mais le Seigneur veut libérer plusieurs d'addictions ce soir. Vous avez prié de nombreuses années, vous avez prié depuis longtemps. Mais si réellement tu regardes à Dieu et que tu t'attends à lui, ce soir même tu seras libre de ton addiction. Reste dans la présence de Dieu. Reste devant le roi des rois. Continue d'adorer. Vous avez des gonflements au niveau de votre langue. Le Seigneur ne me montre pas ce que c'est, mais c'est comme des enflements qui viennent et puis ça repart et puis ça reprend. C'est quelque chose de profondément handicapant et pour déglutir et également pour parler et également face aux gens. Et la main de Dieu se pose sur vous ce soir. La main de Dieu vous touche en cet instant même.
vous constaterez pendant la, alors que vous êtes là, votre langue est déjà enflée, vous constaterez même à la fin de cette soirée que tout aura totalement désenflé, surtout que plus rien ne viendra. Vous pouvez aller voir votre médecin, vous en avez déjà parlé à votre médecin, vous pouvez le lui dire et il constatera lui aussi avec du temps que tout est totalement parti. Et il y a également une personne qui a une maladie du sang. Vous avez de la difficulté au niveau de votre, au niveau de votre sang. Vous devez souvent aller à l'hôpital pour faire des rajouts. Je n'ai plus les termes, mais faire des rajouts dans votre sang. Et Dieu se manifeste ce soir et pose sa main sur vous parce que vous êtes son enfant, parce qu'il vous aime. Cette parole s'adresse à un frère. Et mon frère, Dieu te dit, crois et tu verras ma gloire. Tu verras ma main se manifester dans ton corps. Et également une personne qui a un problème au niveau de son poumon droit. Vous avez fait le suivi médical qui est prescrit et aujourd'hui on vous parle d'une opération sur votre poumon. Dieu se manifeste sur vous. Dieu pose sa main et recevez cette guérison. Discutez avec les médecins, faites les examens et eux-mêmes, le monde médical constatera la guérison parce que Dieu est vivant pour vous aujourd'hui encore ce soir. Alléluia. Le Seigneur veut parler à une dame. Tu es malade d'un sein et tu es très inquiète. Tu t'agites énormément. C'est comme si tu veux pousser les médecins à faire quelque chose tellement tu t'inquiètes. Et Dieu te parle et il te dit ne t'inquiète pas, mais regarde à moi, car je suis celui qui veut te guérir. Je veux te guérir dans le calme et la confiance. Je veux poser ma main sur toi. Et tu verras, les médecins vont constater une guérison totale. Écoute-les. Ne laisse pas tes émotions te faire douter quand ils te déclareront que tu es guéri. Le Seigneur veut également guérir quelqu'un. Tu as des pertes urinaires. Le Seigneur pose sa main sur toi. Ce soir, tu es guéri. C'est fini. Le Seigneur veut parler également à quelqu'un. Tu as fait un accident de voiture et tu travailles beaucoup. Et Dieu te parle et il te dit, tu travailles de trop. Ton travail a pris une place dans ta vie qu'il n'aurait pas dû. Ainsi, j'ai permis cet accident pour t'avertir, pour te parler, afin que tu redonnes à ton travail sa juste place et que tu réapprennes à te reposer, mais surtout que tu réapprennes à vivre pour moi, à vivre avec moi et à investir ton temps dans ce qui est essentiel, te dit le Seigneur qui t'aime. Amen. Le Seigneur m'a montré une image pendant la louange et j'ai vu un troupeau de brebis. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'avait pas de berger. Et ce soir, il y a plusieurs brebis. Vous êtes comme ces brebis perdues. Et le Seigneur Jésus vous dit, je suis le bon berger. Et ce soir, il vous invite, il vous dit, la porte de ma bergerie est ouverte. Ce soir, tu peux entrer. Entre dans cette porte ce soir. Tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras libéré. Ce soir, la porte de ma bergerie est ouverte parce que c'est moi qui suis la porte. Et si ce soir, tu entres, tu seras sauvé, sauvé, dit le Seigneur qui vous aime. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Nous t'élevons plus haut.
Temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Dites à votre voisin que vous êtes heureux de le voir ce soir. Chers amis, vous qui êtes en direct avec nous sur le net, on est toujours très heureux d'être avec vous. Et vous venez célébrer le Seigneur, où que vous soyez, soyez bénis. Quelques annonces courtes ce soir. Il y a du 17 au 19 août un camp extrême. Donc c'est de 10h à 17h30 tous les jours du 17 au 19 août. Le contact c'est Johanna, vous avez le numéro ici qui est indiqué et je vous encourage vraiment à y participer. C'est l'occasion aussi pour vous d'expérimenter extrême. Pour l'été Génération Ado, alors on le dira encore une fois ce soir, aura lieu le mardi 18 et le dimanche 23 juillet, et ensuite le dimanche 20 et le mardi 22 août. Merci de prendre note. Pour ce qui est du secrétariat, eh bien, c'est la période des vacances, donc du 17 au 28 juillet, il sera fermé les après-midi. Nous avons Claude qui sera en déplacement à la porte ouverte à Moutens en Suisse le 23 et 24 juillet. Et je voudrais simplement dire ce soir que nous avons la joie d'avoir au milieu de nous un invité. Il y a d'ailleurs des amis qui sont aussi là de Suisse, Sinda Brüder und Schwestern aus Deutschland oder die Schweiz. Macht mal so. Hallo, seid gesegnet. Seid willkommen. Ihr seid unsere Familie auf der deutschen Seite. Nein, die Schweizer Seite, das ist nicht dasselbe. Ha? Ich darf die Schweiz und Deutschland nicht vergleichen. Die Schweizer, die sind sehr, darüber sind sie sehr streng. Wir sind so froh, dass ihr dabei seid heute Abend. Seid gesegnet. Et tous les Français disent Amen. Ils n'ont rien compris, mais disent Amen. Bien. Nous avons la joie d'accueillir avec son épouse un orateur qui nous vient d'Allemagne, c'est mon frère Wilfried Mann, qui sera traduit ce soir par
qui sera traduit ce soir par Claude. On pourrait l'accueillir. Sei willkommen, mein lieber Winfried. Der Herr segne dich und segne deine Gattin auch. Einen ganz herzlichen guten Abend. Très belle soirée, très bonne soirée à toutes et à tous. Wir haben einen guten Gott. Nous avons un Dieu bon. Einen lebendigen Gott. Un Dieu vivant. Einen Gott, der heute Abend hier ist. Un Dieu qui est présent ce soir. So, ich möchte euch begrüßen hier vor Ort. J'aimerais vous saluer à vous tous qui êtes présents et présentes. Und ich möchte euch auch begrüßen im Livestream. Et aussi salue tous les internautes. Herzlich willkommen. Soyez les bienvenus. Bevor ich starte mit dem Wort Gottes, das mir auf dem Herzen liegt, avant de partager la parole de Dieu que j'ai à cœur, möchte ich gern sagen, wer ich bin, wo ich herkomme, damit ihr ein bisschen etwas mit mir anfangen könnt. Me présenter un petit peu pour que vous sachiez un peu qui je suis, afin que vous sachiez comment me prendre aussi. Ich bin Missionar und Evangelist. Je suis missionnaire et évangéliste. Bin seit 44 Jahren unterwegs mit der besten Botschaft dieser Welt. Et ça fait 44 ans que je suis dans le monde entier avec la meilleure des nouvelles. Paulus sagte das so stark, denn das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Paul le disait avec beaucoup de force, la parole de la croix est une puissance zur Rettung und zur Heilung, pour le salut et la guérison, zur Wiederherstellung und neuem Leben, pour la guérison et la restauration de la vie nouvelle. Mit dieser Botschaft bin ich unterwegs. Avec ce message que je suis parti dans le ich monde war entier. In über 90 Ländern dieser Erde. J'ai visité plus de 90 pays dans ce monde. Und ich habe eins gelernt. Et j'ai appris une chose. Das Licht ist überall stärker als die Finsternis. C'est que la lumière est partout plus forte que les ténèbres. Amen. Amen. Halleluja. Ich bin verheiratet. Je suis marié. Mit einer wunderbaren Frau. Avec une magnifique épouse. Ich habe zwei Söhne. J'ai deux fils. Und sieben Enkel. Et sept petits-enfants. So sagt man siebenmal Opa zu mir. Et maintenant on me dit sept fois grand-père, papi. Und ich sehe doch noch so jung aus. Et pourtant je suis encore tout jeune, n'est-ce pas? Regardez-moi. Aber ich habe fantastische Enkel. Mais j'ai des petits-enfants absolument fantastiques. Und die jüngste ist einfach spitze. Et la petite dernière est la meilleure. Das ist Priscilla. C'est Priscilla. Als sie so drei Jahre alt war, sie konnte gerade so richtig reden. Alors qu'elle avait tout juste 3 ans, qu'elle parlait à peine. Und immer wenn sie etwas Neues ausprobiert hat, et chaque fois qu'elle essayait quelque chose de nouveau, hat sie Folgendes gesagt. Elle disait la chose suivante. Es ist schwer, aber ich schaff das. C'est difficile, mais je vais y arriver. Okay? D'accord? Es ist schwer, aber ich schaff das. C'est difficile, mais je vais y arriver. Und vor einem Jahr, jetzt ist sie 6 Jahre alt. Maintenant elle a 6 ans et il y a un an de cela. Hat sie ein kleines Lied gedichtet. Elle a composé une petite chanson. Und das geht so, ich liebe Farben. Elle et voilà la rime, j'aime les couleurs. Blau, grün, rot, gelb, le bleu, le jaune, le vert. Am liebsten liebe ich orange. Mais la couleur la préférée c'est l'orange. Diese Farben hat Gott geschaffen. Et ces couleurs c'est Dieu qui les a créées. Und deswegen ist stärker als der Teufel. Et c'est pour ça qu'il est plus fort que le diable. Ist das nicht schön, kindlich schön? N'est-ce pas beau, deswegen. C'est pourquoi. So schön, so schön. C'est pourquoi. Ich habe eine Botschaft mitgebracht, die ich folgendermaßen beschreiben möchte. Un message que j'intitulerai comme ça. Wenn Gott der Gastgeber ist. Lorsque Dieu lui-même est l'hôte. Psalm 23 ist weltbekannt. Le psaume 23 est connu mondialement. Dieser Psalm berührt mich immer wieder neu. Et il me touche tout à nouveau. Er ist so schön romantisch. Il est si romantique et si beau. Vor allen Dingen am Anfang. En tout cas au départ du texte. Das geht so, der Herr ist mein Hirte. Ça commence ainsi, l'Éternel est mon berger. Mir wird nichts mangeln. Je ne manquerai de rien. Er weidet mich auf grünen Auen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Und er führt mich zu frischem Wasser. Et il me dirige près des eaux paisibles. Klingt das nicht toll? C'est pas super ça? Aber dann kommt Vers 4. Et verset 4, le ton change. Und dann kommt Vers 5. Et le verset 5 encore plus. Und den fünften Vers möchte ich einmal lesen. Et au verset 5, nous lisons ensemble. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Je traduis littéralement, vous avez la version Louis II sur les écrans. Tu m'invites et tu dresses la table sous les yeux de mes ennemis.
Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Tu m'accueilles comme un maître de maison, son invité, et tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Der erste Teil, der ist ja noch super. Première partie du verset est superbe. David sagt: Du Gott deckst mir einen Tisch. Dieu, David dit: Dieu, toi, oh Dieu, tu dresses pour moi une table. Überleg dir einmal, Gott sagt dir: Ich decke dir einen Tisch. Imagine-toi un instant ce que ça veut dire. Dieu te dresse une belle table. Ist das nicht gewaltig? N'est-ce pas fantastique? Aber dann kommt der Satz, der alles kaputt macht. Et après vient le reste du, la phrase qui casse toute l'ambiance. Es heißt nämlich: Du deckst mir einen Tisch. Il n'est pas marqué tu me dresses une table. Angesichts meiner Feinde. Mais tu dis tu dresses une table face à mes ennemis. Am Anfang klingt das so schön. Au début ça a l'air très beau. Ich meine, ich bin in Frankreich. Je suis en France, n'est-ce pas ce soir? Ein schönes Festessen, das muss doch toll für euch sein, oder? Une soirée festive, c'est fantastique, non? Ein schön gedeckter Tisch. Une belle table bien dressée. Am Anfang ist das so schön. C'est tellement beau ce début de phrase. Aber wenn meine Feinde mir dabei zuschauen und noch an dem Tisch gegenüber sitzen. Mais voici que je dois m'imaginer que mes ennemis me regardent manger et en plus sont assis à la même table en face de moi. Dann möchte ich kein Abendessen bei Kerzenschein. Alors je n'ai pas forcément envie d'un dîner aux chandelles. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Je ne sais pas comment tu te sens. Wenn du von Menschen umgeben bist, die dich nicht mögen. Lorsque tu es entouré de personne qui ne t'apprécie point. Da möchtest du eigentlich nur weg, oder? En fait, on a envie de fuir, n'est-ce pas? Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Je ne sais pas comment tu te sens. Angesichts von schlechten Nachrichten. Face à des problèmes, à des mauvaises nouvelles, pardon. Ich möchte kein Picknick machen, wenn mir Krankheit im Nacken sitzt. Je n'ai pas envie de faire un pique-nique quand la maladie me tombe sur le dos. Ich möchte kein Abendessen bei Kerzenschein, wenn Sorgen mich plagen. Je n'ai pas envie d'un dîner aux chandelles lorsque les soucis m'accablent. Wenn finanzielle Schwierigkeiten lorsque da sind. Lorsque les soucis financiers m'oppressent. Da möchte ich nicht feiern. Je n'ai pas envie de faire la fête à ce moment-là. Unsere natürliche Reaktion wäre, kein Abendessen zu essen. Notre réaction naturelle serait de ne pas avoir un repas du soir. Wir würden unseren Appetit verlieren. Parce qu'on aurait perdu l'appétit. Diese innere Unruhe führt zu einem Knoten im Magen. Ce nœud à l'estomac lié à ce mal-être intérieur. Da passt kein Festessen rein. Il y a pas de repas du soir qui convient à ce moment-là. Sondern es entstehen tausend Fragen. Mais en fait, on est accablé de mille questions. Warum Gott? Pourquoi, oh Dieu? Warum deckst du mir gerade jetzt einen Tisch? Pourquoi me dresses-tu maintenant justement une table? Warum angesichts meiner Feinde? Pourquoi une table dressée en face de mes adversaires? Und da ist mir etwas aufgefallen. Et voici ce que j'ai remarqué. Einen Tisch zu decken. Dresser une table. Ist etwas anderes wie McDonald's. C'est autre chose que McDo. Okay, d'accord. Einen Tisch zu decken, da kommt eine schöne Tischdecke drauf. Dresser une belle table, il faut une belle nappe. Wunderbare Servietten. Des très belles serviettes. Ein tolles Geschirr. De la vaisselle extra. Silberbesteck. Des couverts en or. Kerzen. En argent. Des chandeliers. Und des dann natürlich bougies. Das Essen. Et puis ensuite, le repas lui-même. Aber für diese Dinge braucht es Zeit. Mais pour ces choses-là, il faut du temps. Und diese Zeit haben wir in der Regel in Not nicht. Et en général, lorsqu'on a des problèmes, on manque de ce temps-là. Gott sagt, ich deck dir einen Tisch. Parce que Dieu te dit, je te dresse une table. Dann bedeutet das ja, dass du angesichts deiner Feinde viel Zeit verbringst. Cela veut dire qu'en fait, en face de tes adversaires, tu y passeras beaucoup de temps. Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, in einem richtigen Schloss zu übernachten. Une fois, j'ai l'occasion de passer une nuit dans un véritable château. Für eine Nacht war ich Schlossherr. Pour une nuit, j'étais le maître des lieux. Und dieses Schloss war so aufgebaut, dass es altertümlich in ihren Sitten gepflegt wurde. Et alors, ce château avait été restauré en conservant ses mœurs d'autrefois. Ich ging zum Abendessen. Je suis allé à le repas du soir. 6 Gänge Menü. Il y avait 6 plats. Ich hatte einen eigenen Tisch, ich alleine. J'avais pour moi tout seul une table toute entière. Direkt neben dem großen Kamin. Tout près du grand piano.
Ich hatte zwei Diener für einen Tisch. J'avais deux serviteurs pour une table. Der eine sorgte dafür, dass ich nicht verdurste. L'un veillait à ce que je ne m'assoiffe pas. Der andere sorgte sich um das Essen. Et l'autre se préoccupait de ma nourriture. Und dann kam der erste Gang. Et arrivait le premier plat. So ein Teller. Une assiette comme ça. Und so viel drauf. Et si peu de nourriture sur l'assiette. Ich dachte, du meine Güte, ich verhungere. Je me suis dit, mais je vais mourir de faim ce soir. Ich habe diesen kleinen Happen sofort verschlungen. Ce petit machin, je l'ai avalé d'un coup. Und dann sagte der Ober zu mir. Et alors le maître de Dieu me disait. Der nächste Gang kommt in 20 Minuten, weil sie sollten das verdauen. Le prochain plat n'arrive que dans 20 minutes. Alors digérez déjà le premier plat. Das war schon verbrannt, bevor ich es geschluckt habe. J'avais déjà consommé le premier plat avant de l'avoir avalé. Dieses Essen nahm kein Ende. Et ce repas n'a pas pris de fin. Stundenlang saß ich dort. J'étais assis pendant des heures. Am Ende wurde ich schon ein bisschen satt. Bon, à la fin, j'ai quand même été un peu rassasié. Aber was will ich damit sagen? Que je veux dire par là? Die Bibel sagt uns im Psalm 23. Au psaume 23, la Bible nous dit. Gott deckt uns einen Tisch. Dieu nous dresse une table. Er will mit uns Zeit verbringen. Il veut passer du temps avec nous. Nicht im Paradies. Non pas au paradis. Das kommt schon noch. Ça viendra tout seul. Sondern mitten im Sturm. Mais au milieu de la tempête. Er möchte mit mir Zeit verbringen. Il veut passer du temps avec moi. Ich habe eine Geschichte entdeckt im Alten Testament. J'ai découvert dans l'Ancien Testament une belle histoire. Drei junge Männer. Trois jeunes gens. Shadrach, Meshach und Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. In Daniel Kapitel 3 kann man davon lesen. Et dans Daniel 3 nous lisons. Drei junge Männer. Trois jeunes gens. Weigerten sich, diese goldene Statue anzubeten. Refusèrent d'adorer une statue en or. Und das war hochgefährlich. Et c'était extrêmement dangereux. Denn es gab ein Gebot. Parce qu'il y avait eu une ordonnance. Wer sich nicht vor diesem Götzen beugt. Qui déclarait que quiconque ne se plierait pas devant cette idole. In einem Feuerofen verbrannt. Serait brûlé dans une grande fournaise. Und diese drei. Et ces trois garçons, Shadrach, Meshach et Abednego. Sie haben ihr Vertrauen auf ihren Gott gesetzt. Ils ont placé leur confiance dans leur Dieu. Halleluja. Halleluja. Und sie sagten Folgendes. Et voici ce qu'ils ont dit. Auch wenn Gott uns dort nicht rausholt. Et même si Dieu ne nous en délivrait pas de la fournaise. Wir gehorchen unserem Gott. Nous obéirions quand même d'abord à Dieu. Ist das nicht stark? N'est-ce pas fort, ça, puissant? Und dann passierte es, et voilà dass sie in diesen Feuerofen geworfen et ils wurden. Ont été balancés dans la fournaise. Und es ist schon interessant, König Nebukadnezar. Et c'est déjà intéressant de voir le roi Nebuchadnezzar. Ließ sich das nicht nehmen, zuzuschauen. Qui n'a pas refusé le droit de regarder dans la fournaise. Daniel 3, vers 24. Daniel 3, verset 24. Plötzlich sprang Nikodemus entsetzt auf und fragte seine Beamten: Haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Alors le roi Nebuchadnezzar se leva spontanément épouvanté et demanda à ses officiers: N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés dans la fournaise? Oui, bien sûr, répondirent les officiers. Und dann Nebuchadnezzar. Et puis Nebuchadnezzar continue. Ich sehe vier Männer. Mais alors pourquoi vois-je quatre hommes sans chaînes? Im Feuer spazieren gehen. Se promener dans le feu. Und der vierte sieht aus wie der Sohn von Göttern. Et le quatrième ressemble à l'un des fils des dieux. Ist das nicht gewaltig? N'est-ce pas puissant et fort? Halleluja. Halleluja. Was will ich mit dieser Geschichte sagen? Qu'est-ce que je veux dire par cette histoire? Gott deckt uns einen Tisch. Dieu nous dresse une table. Angesichts unserer Feinde. Face à nos adversaires. Mal ganz ehrlich. Soyons honnêtes. Also in Deutschland wäre das so. Ob das in Frankreich so ist, weiß alors ich nicht. En Allemagne, c'est pas ça comme ça. En France, aber je ne sais wir in pas. Deutschland würden sagen, Gott. En Allemagne, on dirait, wir gehen schon für dich in den Feuerofen. On va aller pour toi dans la fournaise. Aber mach vorher das Feuer aus. Mais s'il te plaît, éteins le feu au préalable. Frankreich auch? En France aussi? Bon. Möglich. Möglich, sans doute. Peut-être. Gott, lösch das Feuer. Seigneur, éteins le feu. So oft beten wir, Gott, hol mich hier raus. Si souvent, nous disons, oh Dieu, sors-moi de là. Aber unser Hirte sagt. Mais notre bon berger ich dit, deck dir einen Tisch. Je te dresse une table. Angesichts deiner Feinde. Sous les yeux de tes ennemis. Mitten im Feuer. Au milieu du feu. Bin ich da.
Je suis présent. Mitten im Sturm. Au milieu de la tempête. Bin ich da. Je suis là. Mitten in Schwierigkeiten. Dans des difficultés. Bin ich da. Je suis présent. Ich deck dir einen Tisch. Je te dresse une table. Angesichts deiner Feinde. En face de tes ennemis. Und du hast keinen Grund, den Appetit zu verlieren. Et tu n'as aucune raison d'en perdre l'appétit. Halleluja. Ich habe dann so ein Selbstgespräch mal geführt. J'ai parfois mené une discussion intérieure. Gott, du möchtest also, dass ich jetzt esse. Je disais, ah, mais Seigneur, maintenant tu veux que je mange. Du möchtest also, dass ich mich an deinen Tisch setze. Que je me mette à ta table. Was für ein Essen, Gott, wirst du mir denn servieren? Mais quel menu vas-tu me servir? Wie auch immer, Gott. Peu importe, Seigneur. Mach schnell. Mais dépêche-toi maintenant. Denn ich habe jetzt nicht Zeit, hier am Tisch zu sitzen. Parce que maintenant, j'ai pas le temps de m'asseoir à table. Ich muss mich um meine Probleme kümmern. Il faut que je m'occupe de mes problèmes. Ich habe jetzt keine Zeit für einen Gebetsspaziergang. Je n'ai pas le temps de faire une promenade de prière. Ich habe jetzt keine Zeit, die Gemeinde zu besuchen. Ni d'aller à l'église d'ailleurs. Ich habe jetzt keine Zeit, mit dir an dem Tisch zu sitzen, je n'ai denn pas mein temps Kopf ist voll mit Nöten und Problemen. De m'asseoir à ta table, parce que ma tête est remplie de problèmes et de difficultés. Herr, ich kann jetzt nicht an diesem Tisch sitzen. Seigneur, je peux maintenant pas m'asseoir à cette table. Siehst du nicht, dass mein Leben zerstört wird? Ne vois-tu pas que ma vie est en train d'être démolie? Ich habe eine Frage heute Abend. J'ai une question à vous poser. Wer weiß, dass der Hirte schlauer ist als die Schafe? Qui de nous sait que le berger est plus malin que les brebis? Ist angekommen, gell? C'est arrivé, oui. Ja, okay. Wer weiß, dass der Hirte schlauer ist als die Schafe? Qui sait que le berger est plus malin que les brebis? Er deckt mir einen Tisch. Il me dresse une table. Und er macht mir bewusst. Et il me rend conscient. Ich bin da. Je suis là. Ich habe vier kleine Gedanken mitgebracht. J'ai ramené quatre petites pensées. Die mir wichtig sind. Qui me sont importantes. Erstens. Tout d'abord. Gott deckt den Tisch. Tout d'abord, Dieu dresse la table. Weil der Kampf ein gutes Ende nehmen wird. Parce que le combat aura une bonne fin. Halleluja. Se terminera bien. Er deckt mir einen Tisch, weil dieser Kampf ein gutes Ende nehmen wird. Il me dresse une table parce que le combat aura une bonne fin. Paulus sagt in Römer 8, Vers 31. Dans Romains 8, 31, Paul déclare. Was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Que peut-on dire de plus à ce sujet si Dieu est pour nous? Mais qui peut être Halleluja. Contre nous? Was für eine Aussage! Quelle déclaration! Oder quelle proclamation! Vers 35. Verset 35. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Qui pourrait nous séparer du Christ Leiden et de son amour? Angst vielleicht? La souffrance et la peur, peut-être? Verfolgung, la persécution, Hunger, la Armut, faim, la pauvreté? Gefahr und gewaltsamer le Tod, danger ou la mort violente? Und dann kommt das Schönste in Vers 38. Et voici le meilleur verset 38. Paulus sagt dort. Paul déclare. Denn ich bin ganz sicher. Car je suis absolument certain. Denn ich bin ganz sicher. Absolument certain. Komm, wir sagen das mal zusammen. Allez, on va le dire ensemble. Denn je ich suis bin mir absolument ganz sicher. Certain. Noch einmal. Encore une fois. Je suis absolument certain. Bist du dir sicher? T'en es certain? Ich bin mir ganz sicher. Je suis parfaitement certain. Weder Tod noch Leben. Que ni la mort, ni la vie. Weder Engel noch Dämonen. Ni les anges, ni les démons. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Noch irgendwelche Gewalten. Ni aucune puissance. Weder Hohes noch Tiefes. Ni ce qui est élevé, ni ce qui est en bas. Oder sonst irgendwas ni quoi que auf ce der soit Welt. D'autre dans ce monde. Können uns von der Liebe Gottes trennen. Ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Qu'il nous donne en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Sein Sieg. Sa victoire. Alléluia. Sein Sieg ist dein Sieg. Sa victoire, c'est ta victoire. Alléluia. Sein Sieg ist dein Sieg. Sa victoire est ta victoire. Ein zweiter Gedanke. Une deuxième pensée. Gott deckt den Tisch. Dieu dresse la table. Weil Jesus vor dir schon auf dem Kampffeld war. Parce que Jésus t'a précédé sur le champ de bataille. Alléluia. Ich komme ja von Deutschland, ihr von Frankreich und dann gibt's noch die Schweiz. De l'Allemagne, vous de la France et puis il y a encore la Suisse. Und in der Schweiz gibt's die sogenannte Alm in den Bergen. Et en Suisse, on a l'alpage dans les montagnes. Und in dem Sommer werden die Kühe
auf die Alm getrieben. Et en été, on amène les vaches sur les hauts pâturages. Zur Sommerweide. Sur les pâturages d'été. Aber bevor der Hirte das tut, mais avant que le berger ne fasse cela, geht er alleine den Weg, den er später mit den Tieren geht. Il prend d'abord le chemin, il précède le chemin de que prendront plus tard les animaux. Er schaut, ob der Weg frei ist. Il regarde si le chemin est libre. Ob der Winter mit dem Schnee nicht zu viel Geröll auf diesen Weg geschüttet hat. Si l'hiver n'a pas amené avec la neige beaucoup trop de cailloux sur le chemin. Und für mich ist das ein gewaltiges Bild. Et pour moi c'est une image saisissante. Dein Leben ist ein Weg. Ta vie est un chemin. Und diesen Weg, den du gehst, et le chemin que tu dois prendre, toi, ist dein Herr schon gegangen. Ton Seigneur qui a déjà précédé. Er kennt deinen Weg. Il connaît ton chemin. Ich bin als Evangelist seit so vielen Jahrzehnten unterwegs. Ça fait des décennies que je suis en route en tant qu'évangéliste. Und ich darf euch eins sagen. Et je peux vous dire. Ich habe unglaubliche geistliche Höhen erlebt. J'ai vécu des sommets spirituels incroyables. Ich habe gesehen, dass Gott ein Gott der Wunder ist. J'ai vu un Dieu qui est le Dieu du miracle. Aber ich war nicht nur auf den Bergen. Mais je n'ai pas connu les hautes sommets. Ich war auch in den tiefsten Tälern. J'ai aussi connu les vallées profondes. Wo ich geschrien habe zu Gott, Gott, wo bist du? Où j'ai crié à Dieu, où j'ai dit, ich höre dich nicht mehr. J'ai dit, Dieu, mais où es-tu? Wo bist du? Je ne t'entends plus. Où es-tu? Ja? Gott ist immer da. Écoute bien. Ob du jetzt spürst, toujours là, que tu le sens, que tu le vois. Und das wurde für mich zu einem Trost. Et pour moi, c'est devenu une consolation. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. L'Éternel est mon berger. Er führt mich. Il me conduit. König David konnte als König sagen, ich bin ein Geführter. Le droit de roi David a pu dire en tant que roi, je suis un homme qui est conduit par Dieu. Gott führt dich. Dieu te conduit. Und er kennt den Weg. Et il connaît le chemin. Und so ist das auch hier. Et c'est aussi ainsi là. Gott deckt dir einen Tisch. Dieu te dresse une table. David kannte seine Arbeit als Hirte. David connaissait le métier de berger. Bevor er seine Tiere auf die Weide geführt hat. Avant qu'il l'a amené et conduit ses animaux sur l'alpage ou sur les prés. Ging er voraus. Il a précédé le hat troupeau. Giftige Pflanzen entfernt. Il a éloigné des plantes venimeuses. Hat Schlangenlöcher gesucht. Il a cherché les trous des tanières des serpents. Hat dort Öl reingeschüttet. Il y a mis de l'eau dedans. Er hat das Feld vorbereitet. Il a préparé le terrain. Für ein wunderbares Essen. Pour un repas merveilleux. Weißt du, was mir das sagt? Sais-tu quel message est envoyé là? Mein Gott. Mon Dieu. Hat alles. In Kontrolle. A tout en main. Il contrôle le tout. Halleluja. Halleluja. Er hat alles in Kontrolle. Il contrôle tout. Ein dritter Gedanke. Une troisième pensée. Gott sitzt mit dir am Tisch. Dieu est assis à la table avec toi. Halleluja. Halleluja. Ich meine, wenn ich Gastgeber bin. Si moi je suis maître d'hôte. Und dich zum Abendessen einlade. Et que je t'invite à manger à la maison. Mit deiner Familie. Avec ta famille. Dann wäre das unheimlich komisch. Ce serait extrêmement drôle. Wenn alle da wären. Que tout le monde soit là présent. Nur ich nicht. Sauf moi. Ich habe dich eingeladen, aber ich komme nicht. Je t'ai invité, mais je ne suis pas là. Und so benehmen wir uns manchmal bei Gott. Et c'est des fois comme ça qu'on se comporte avec Dieu. Soll ich dir was sagen? Puis-je te dire quelque chose? Gott ist der Gastgeber von diesem Tisch von Psalm 23. Dieu est le maître d'hôte, il est l'accueillant, il est l'hôte de ces lieux. Psaume 23. Er sitzt mit dir am Tisch. Il est assis avec toi à table. Und ist viel größer als deine Feinde. Et il est beaucoup plus grand que tes ennemis. Amen. Halleluja, halleluja. Stell dir mal vor, hier hinten diese ganze Wand wäre schneeweiß. Imagine-toi ce mur derrière nous complètement blanc. Und in der Mitte dieser schneeweißen Wand. Et au milieu de ce mur blanc. Ist ein schwarzer Punkt. Il y a un point noir. Wenn du diese Wand anschaust, diese weiße Wand. Quand tu regardes ce mur blanc. Mit dem schwarzen Punkt. Avec ce point noir. Was siehst du? Que vois-tu? Den schwarzen Punkt. Le point noir. Yes. Ja. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, hätte ich noch ein anderes Beispiel. Si ça avait marché, j'aurais un autre exemple. Ich habe ein weißes Hemd an. J'ai un polo blanc. Und ich esse Tomatensauce. Et je mange de la sauce tomate.
Und ich komme nach Hause. Et je rentre à la maison. Was sieht meine Frau? Ma femme, que voit-elle? Nicht mich. Non pas moi. Nicht das Hemd. Ni le polo. Nur die Soße. Mais la sauce. Und falls du es so machen, wie es manchmal mitten im Leben. Et parfois on est ainsi dans la vie. Gott hat uns einen Tisch gedeckt. Dieu nous a dressé une table. Angesichts unserer Feinde. Face à nos adversaires. Und was sehen wir? Et que voyons-nous? Wir sehen nicht die riesige weiße Fläche. On ne voit pas la grande surface blanche. Wir sehen nicht, dass Jesus am Tisch sitzt. Ou que Jésus soit assis à table Diese avec nous. Diese weiße Fläche. Cette belle surface blanche. Wir sehen nur das kleine Problem. Mais on voit ce petit problème. Und ich sag dir eins. Et je te dis une chose. Wenn einer die Lösung hat, s'il y en a un qui dann ist es dein Gott. S'il y a un qui a une solution, la solution, c'est Dieu. Et qui est assis avec toi. Und manchmal à table. Denke ich, parfois je pense, wir Gläubige, nous les croyants, wir brauchen die Augen von Elisa. Il nous faut les yeux d'Élisée. Elisas. In 2. Könige 6, 15 lesen wir Folgendes. Dans 2 Rois 6, verset 15, nous Als der lisons. Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, matin, lorsque le serviteur du prophète se leva et sortit de la maison, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. La ville était entourée de troupes, de chevaux et de chars. Mein Herr, was sollen wir tun? Rief er Elisa zu. Mon maître, que devons-nous faire? Cria le serviteur à Élisée. Oft bei uns der Fall. Mein Gott, was sollen wir tun? Mon Dieu, et maintenant que faire? Die Feinde sind so groß. Il y a tellement d'ennemis. Wir sind umzingelt. On est environné. Und weißt du, was Elisa sagt? Was ist, que Élisée dit? Hab keine Angst. N'aie pas peur. Kennt ihr diese Worte, wenn man im Sturm ist und da kommt ein Kollege und sagt, hab keine Angst? Connaissez cette voix, la voix du collègue qui vient vous voir quand vous avez un problème majeur, lui vous dit, t'inquiète pas, das tout va bien. Das wird schon wieder besser. Ça va s'arranger. Und du denkst, ich könnte dich. Je pourrais te bouffer. In Frankreich nicht. Pas en France, non. Non, non, pas en France. Non, non. Non, non. Okay, aber schau einmal. Mais regarde bien. Dann sagt Elisa. Élisée continue denn ainsi. Denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Car il y a plus de gens de notre côté que du leur. Und er betete. Et il pria. Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Seigneur, ouvre ses yeux et laisse-le voir. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et lorsqu'il leva les yeux, il vit que le pays Ist montagneux autour d'Élisée était plein de chevaux et de chars de feu. Halleluja! Extraordinaire, n'est-ce pas? So gewaltig, so tellement gewaltig. Puissant, tellement beau. Er sitzt mit dir am Tisch. Il est assis avec toi Und du à bist table. Vielleicht von Feinden umzingelt. Et il se peut que tu sois entouré, environné d'ennemis. Aber diese Feinde sind von der Armee Gottes umzingelt. Mais ces ennemis sont eux-mêmes Halleluja. Entourés par l'armée de Dieu. Haben wir einen guten Gott? N'avons-nous pas un Dieu bon? Haben wir einen guten Gott? Un bon Dieu? Ein vierter und letzter Gedanke. Une quatrième et dernière pensée. Gott deckt dir einen Tisch. Dieu te dresse une table. Weil er weiß, was du brauchst. Parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Jesus weiß, was du brauchst. Jésus sait ce dont tu as besoin. Das, was er auf dem Tisch serviert, ist genau das, was du brauchst. Ce que Jésus te sert à table est exactement ce dont tu as besoin. Wenn ich an den Tisch denke, den Jesus gedeckt hat. Quand je pense à la table que Jésus a dressée. An den Segen. À la bénédiction. An die Freude. À la joie. An die Versorgung. À la providence. Dann muss ich an das Abendmahl denken. Alors il faut que je pense à la Sainte Cène. Schau, Jesus hat das Mahl eingeführt. Jésus a introduit ainsi la Sainte Cène. In der Nacht, als er gefangen genommen werden sollte, um gekreuzigt zu werden. La nuit où notre Seigneur a été trahi. Und jetzt schau mal dieses Bild. Maintenant regarde cette contemplative image. In dieser Nacht. Dans cette nuit là. Jesus. Jésus. Sitzt. Est assis à la table. Jesus sitzt am Tisch. Jésus est assis à la table ou à Aber table. Er sitzt nicht nur alleine am Tisch. Mais il n'est pas seul à table. Sein Verräter sitzt mit ihm am Tisch. Son traître est assis avec lui à table. Seine Feinde haben sich schon formiert. Ses ennemis se sont déjà formés, fomentés. Dieses Abendmahl war eigentlich keine neue Tradition. Cette Sainte Cène n'était pas une nouvelle tradition. Es war eine alte Tradition. Ce fut une vieille tradition. Die dabei war eine neue Bedeutung zu bekommen. Qui allait recouvrir une nouvelle signification. Die alte Tradition war das Passafest. La tradition ancienne était la fête de Pessa, la fête de Pâques.
mit Brot und Wein gefeiert. Et ils célébraient ce repas avec du pain et du vin. Und sie erinnerten sich immer wieder daran, was Gott getan hat. Et ce faisant, ils se rappelaient toujours à nouveau ce que Dieu avait fait autrefois. Wie er sie befreit hat, als der Todesengel über das Land gezogen comment ist. Il les avait délivrés de l'ange de la mort en Égypte. Bei jedem Haus, wo der Todesengel mit dem Blut des Lammes konfrontiert wurde. À chaque maison où l'ange de la mort avait été confronté au sang de l'agneau. Wurde ihm eine Botschaft mitgegeben. Il y avait un message qui lui était envoyé. Die Menschen in diesem Haus. Les gens de cette maison. Darfst du nicht anrühren. Tu n'as pas le droit de les toucher. Was für eine Botschaft. Quel message. Und dieser Engel ging vorüber. Et l'ange passait son chemin. Wenn wir das nächste Mal das Abendmahl feiern. La prochaine fois que vous fêterez la Sainte Cène. Wir haben eine Botschaft. Nous avons un message. Halleluja. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Parce que le message de la croix est une puissance. Was hat Gott auf diesem Tisch für dich gedeckt? Et qu'est-ce qu'il a dressé sur cette table-là? Brot und Wein. Du pain et du vin. Du kannst es zu Hause nachlesen, 1. Korinther 11. Tu peux le relire à la maison dans 1 Corinthiens 11. Ich sag dir eins, Brot und Wein, was für ein Bild. Du pain et du vin, quel symbole, quelle image. Mein Herr hat seinen Leib brechen lassen für meine Krankheit. Mon Seigneur s'est laissé briser son corps pour mes maladies, pour mes besoins. Er hat sein Blut vergossen für meine Schuld. Il a versé son sang pour effacer mes péchés. Er hat den Feind meines Lebens besiegt. Il a vaincu là l'ennemi de ma vie. Was für ein Fest auf diesem an diesem Tisch. Quelle fête, quel repas de fête à cette table. Haben wir einen gewaltigen Gott? N'avons-nous pas un Dieu puissant? Halleluja, bist Halleluja. Du gestärkt worden von Gottes Wort? As-tu été fortifié par la parole de Dieu ce soir? Halleluja, Halleluja. Gott ist so gut. Dieu est tellement bon. Vor Jahren war ich in Pakistan. Il y a des années, j'étais au Pakistan. Wir kamen weit nach Mitternacht in Lahore an. Bien après minuit, on a atterri à Lahore. Und wir landeten im Elendsviertel dort. Et nous avons atterri dans le quartier le plus pauvre. Wir bekamen ein kleines Zimmer zu zweit. On a eu une chambre pour deux personnes, une petite chambre. Und als wir aufwachten, waren wir zu neunt. Et lorsqu'on s'est réveillé, on était à neuf dans la pièce. Und dann hat es geheißen, es gibt jetzt Tee zum Trinken. Et alors on nous a dit, maintenant il y aura du thé à boire. Und wir werden diesen Tee auf dem Dach trinken. Et on va boire ce thé sur le toit de la maison. So sind wir eine kleine Leiter hochgeklettert. Et donc on a grimpé une petite échelle. Und haben oben auf diesem Flachdach Tee getrunken. Et sur ce toit plat, nous avons bu un thé. Und jetzt kommt die Störung, oder? Nein. Non. Okay, haben dort Tee getrunken. Nous avons bu le thé. Und plötzlich hörten wir, wie auf dieser Holzleiter Bewegung war. Et tout à coup, on a senti comme cette échelle en bois jemand kam se zu uns aufs Dach. Quelqu'un nous rejoignait sur le toit. Dann kamen ein paar Frauen. Puis des femmes se sont rajoutées. Dann kamen ein paar Männer. Et puis des hommes. Und sie sagten Folgendes. Ils ont dit ceci. Wir haben heute Nacht gehört. Vous avez entendu cette nuit, dass ein Pastor im Dorf ist. Qu'un pasteur est dans la ville. Das hat sich schnell rumgesprochen. Ça s'était vite répandu, l'information. Und wir sind krank. Et nous sommes malades. Und wir möchten, dass ihr betet. Et nous voulons que vous priez pour nous. Euren Gott fragt, ob er uns heilen kann. Que vous demandiez à votre Dieu s'il peut nous guérir. Auf jeden Fall, wir saßen auf diesem Flachdach. Et on était là, assis sur cette wir plan. Haben für die Kranken gebetet. On a prié pour les malades. Und Tee getrunken. Et bu du thé. Für die Kranken gebetet. Bu du thé, und Tee getrunken. Pour les malades, bu du thé. Den ganzen Morgen. Toute la matinée. So viel Tee habe ich noch nie getrunken. Je n'ai jamais bu autant de thé de ma vie. Aber das war so spannend. Mais c'était tellement excitant. Das war so ein schöner Vormittag. Si belle matinée. Wir mussten nicht zu ihnen gehen, sie kamen zu uns. C'est pas nous qui allions chez eux, eux venaient à nous. Am nächsten Morgen hat es geheißen, wir gehen wieder Tee trinken. Matin, on nous a redit, und ich dachte, encore, wunderbar. Allez, on va boire du thé. Je me suis dit, super. Und dann sind wir wieder auf dieses Flachdach. On est remonté sur le toit plat. Und fingen an, Tee zu trinken. On a commencé à boire du thé. Und plötzlich hörte ich es. Et tout à coup, j'entendais, jemand kam hoch die Personen montaient auf dieses Dach. Sur le toit. Und dann kamen diese Leute und sagten Folgendes. Et puis ces gens sont venus nous dire, wir kommen nicht mehr wegen Gebet. On n'est pas venu pour la prière. Euer Gott hat uns angerührt. Votre Dieu nous a déjà touché. Wir sind gesund geworden. On a été guéri. Wir kommen nur, um uns zu bedanken. Nous venons juste pour vous remercier. Haben wir einen guten Gott? N'avons-nous pas un Dieu bon?
Er deckt einen Tisch. Il dresse une table. Er deckt einen Tisch. Il dresse une table. Angesichts unserer Nöte. Face à nos besoins. Er deckt diesen Tisch. C'est lui qui dresse la table. Halleluja. Halleluja. Dann sind wir weiter nach Karachi. On est allé plus loin à Karachi. Und dort hat eine Frau ihr Haus zur Verfügung gestellt in einem Stadtteil. Et là-bas, dans un quartier de la ville, une femme nous a mis sa maison à disposition. Sie hatte zwei Stockwerke und eine Terrasse oben, eine Dachterrasse. Elle avait deux étages et au-dessus une terrasse, un toit plat. Und sie sagte, ich stelle mein Haus zur Verfügung, damit das Wort Gottes verkündigt werden kann. Et elle nous a dit, je vous mets ma maison à disposition afin que vous puissiez prêcher la parole de Dieu. Und das ist dort nicht so einfach. Et c'est pas si simple là-bas. Glaubt mir das. C'est pas simple du tout. Und dann kamen wir an das Haus, wir stiegen aus und dann hörte ich schon sehr, 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 sehr laute Geräusche. Et alors qu'on est sorti de la voiture, comme on allait à la maison, il y a eu beaucoup de bruit, un bruit fort. Und ich habe festgestellt, da müssen eine ganze Anzahl Menschen sein, die beten und beten. Et je me suis dit, il doit y avoir un nombre incroyable de gens qui prient, qui prient. Und dann kam uns diese Frau entgegen. Et cette femme nous a rejoint. Und sagte, wir gehen gleich aufs Dach. Et elle m'a dit, on va tout de suite monter sur le toit. Aber ich möchte euch meinen Gebetskeller zeigen. Mais je dois vous montrer ma cave de prière. Dann sind wir unten rein. On est rentré par le bas. Die Tür ging auf und ich habe gemeint, ich sehe nicht richtig. Et la porte est ouverte et j'ai pas cru ce que j'ai vu. Der ganze Raum war voll mit Kindern. Toute la pièce était remplie d'enfants. Kinder, die zu Gott schrien für die Evangelisation auf dem Flachdach. Des enfants qui priaient, qui criaient à Dieu. Das hat mein Herz so bewegt. Qui avait lieu sur le toit. Und dann waren wir endlich auf diesem Flachdach. Et nous voici sur le toit maintenant. Und stell dir vor, fast 150 Leute sind da hochgeklettert. Pratiquement 150 personnes étaient montées sur le toit. Und sie haben eine PA-Anlage gehabt. Et ils avaient des haut-parleurs. Und sie sind es gewohnt, sehr laut zu hören. Et ils sont habitués à écouter avec un volume très élevé. Und so habe ich den 150 gepredigt. Alors donc j'ai prié, j'ai prêché. Aber wahrscheinlich Tausende drumherum. Et à des milliers aux alentours. Ich sag dir eins. Je te dis une chose. Gott deckt einen Tisch. Dieu dresse une table. Angesichts unserer Feinde. Face à nos adversaires. Haben wir einen guten Gott? N'avons-nous pas un Dieu bon? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott ist so gut. Dieu est tellement bon. Hébreux 13, Vers 8. Hébreux 13, verset 8. Er ist derselbe. Il est le même hier. Gestern. Hier. Heute. Aujourd'hui. Und in Ewigkeit. Éternellement. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ich möchte hier zum Abschluss kommen. J'aimerais terminer, conclure. Aber ich möchte euch noch einen Gedanken aus meinem Herzen teilen. Une dernière pensée de mon cœur. Seit Monaten. Ça fait des mois. Bewegt mich das Dreiländereck. Ce coin des trois frontières me travaille. Frankreich, Deutschland, Schweiz. L'Allemagne, la Suisse, la France. Es bewegt mich. Ça me travaille, ça me. Und ich habe so den Eindruck. Et j'ai le sentiment. Dass etwas Großes vor uns liegt. Qu'il y a de belles choses devant nous. Ich habe so den Eindruck. J'ai le sentiment. Als wenn Erweckung kommt wie ein Sturmwind. C'est comme si je pouvais voir un réveil venir comme un grand courant, un grand puissant vent de l'esprit. Ich geniere mich nicht, euch das zu sagen. Et je ne me gêne pas de vous le partager. Ich weiß, ihr macht eine super Arbeit hier. Je sais que vous faites un super Aber boulot ici. Aber es bewegt ici. Mein Herz. Mais mon cœur est touché. Und ich habe den Eindruck, dass da etwas in Bewegung ist Et in diesen drei Ländern. Une chose spirituelle qui est en mouvement dans le coin des trois frontières. Darf ich ein kleines Halleluja hören? Puis-je entendre un petit Alléluia? Halleluja, 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 Halleluja. Lasst uns zusammen aufstehen. Levons-nous ensemble. Wir wollen miteinander beten. On va prier ensemble. Danke, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Danke, Jesus. Merci, Jésus. Danke, Jesus. Merci, Komm, wir erheben Seigneur. Einmal Jesus. Élevons Danke, Jesus. Jésus. Erheben wir ihn. Dites merci à Bete Jésus. Einfach Élevez zu ihm. Bete ihn an. Danke ihm mal. Danke ihm mal. Adorez-le. Jesus, du bist Dites hier. Merci. Jesus, mein Herr, mein Heiland. Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Mein Leben. Ma vie. Danke, Herr, dass du meine Kraft bist. Merci, Seigneur, que tu sois danke, ma vie. Dass du Öl hast. Tu as de l'huile. Herr, danke, dass du Segen hast. Et tu as de la bénédiction oh, Herr, réserve. Wir preisen dich aber nicht wegen Segen und Öl. Seigneur, tu n'es pas là pour nous bénir. Sondern wir beten dich an. Mais nous t'adorons toi. Wir beten dich an. Nous te bénissons toi. Wegen dir selbst. À cause de toi-même. Und wir danken dir für deine Gnade. Et nous te bénissons pour ta grâce. Wir danken dir, dass du hier bist. Nous te bénissons parce que tu es présent ce wir soir. Danken dir, dass du alles getan hast am Kreuz. Que tu as tout fait pour nous à la croix. Wir danken dir, dass du gerufen hast. Es ist vollbracht. Merci que tu sois écrié. Tout est accompli. Und Herr, das dürfen wir nehmen. Et nous pouvons y puiser. Es ist vollbracht. C'est accompli. Auch wenn du jetzt im Livestream stehst.
Et même dabei bist. Et toi aussi qui es sur Internet. Vielleicht auf deinem Sofa sitzt. Peut-être tu assis sur ton canapé. Vielleicht in der Küche. Ou dans ta cuisine. Vielleicht im Wohnzimmer. Ou dans ton salon. Wo auch immer. Peu importe où. Gott ist jetzt auch bei dir. Dieu est aussi près de toi. Er deckt dir einen Tisch. Il te dresse une table. Angesichts deiner Feinde. Face à tes adversaires. Er heilt dich. Il te guérit. Er berührt dich. Il te touche. Er stellt dich wieder her. Il te restaure. Danke, Jesus. Merci, Jésus. Vielleicht bist du auch am Livestream und du hast dein Leben noch nicht Gott gegeben. Et peut-être tu es sur Internet et tu n'as encore jamais donné ta vie à Jésus. Du weißt genau. Tu sais exactement. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. J'ai besoin du pardon pour mes ich péchés. Ich brauche Rettung meines erreurs. Lebens. J'ai besoin d'être sauvé. Ich möchte dich ermutigen. Je veux t'encourager ce soir. Wende dich heute an ihn. Tourne-toi vers lui vor ce soir. Vor deinem Bildschirm. Adresse-toi à lui. Und ich möchte heute Abend auch hier fragen im Saal. Et ce soir aussi dans cette salle, je veux demander. Wenn jemand hier ist, der Gott noch nicht kennt. Si quelqu'un est parmi nous et qui ne connaît pas Dieu. Dann würde ich gern für dich beten. J'aimerais prier pour toi. Wenn jemand hier ist, der von Gott weggegangen ist. Si quelqu'un est présent ce soir et qui a quitté, qui a quitté pendant un temps Dieu, je prie pour toi. Ich glaube, dass Gott dir vergibt und dir neues Leben schenkt. Je crois que Dieu te pardonne et veut te donner une vie nouvelle. Ich möchte beten und ich möchte dich ermutigen, mir nachzubeten. Je veux prier et t'inviter à répéter ma prière. Mach mein Gebet zu deinem Gebet. Fais de ma prière ta prière. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Et dis maintenant ouvertement, Seigneur Jésus, je viens à toi. Mit meinem Leben so wie es ist. Avec ma vie telle qu'elle est. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Pardonne-moi d'avoir vécu sans toi. Aber heute. Mais aujourd'hui. Möchte ich dich einladen in mein Leben. Je t'invite dans mon cœur. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Je te prie de me pardonner. Dass du mein Herz reinigst. Que tu purifies mon cœur. Dass du mir neues Leben schenkst. Que tu m'accordes une vie nouvelle. Dass du mir Freiheit schenkst. Que tu m'accordes la liberté. Ich danke dir. Je te remercie. Dass ich das jetzt annehmen darf. Que maintenant j'ai le droit de l'accepter. Und ich freue mich. Et je me réjouis. Dein Kind Gott zu sein. D'être devenu ton enfant. Amen. 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 Wenn jemand heute Abend hier ist, der krank ist. Si ce soir quelqu'un parmi nous est malade braucht, et qui a besoin de prière. Und sagt, ich möchte zu Gott kommen damit. Et qui veut dire, je veux venir à Dieu avec mon problème. Dann lade ich dich jetzt alors ein. Je t'invite. Heb doch mal deine Hand lève hoch. Ta main là où tu wenn es. Du sagst, ich brauche Gebet. Si t'as besoin, en disant, j'ai besoin de prière. Gebet. Ta main levée veut dire, j'ai besoin de prière. Ich brauche Gebet. J'ai besoin de prière. Danke, Herr, für die Hände, die sich dir entgegenstrecken. Tu vois les mains qui se sont levées. Ich möchte dich jetzt bitten. Je veux te prier maintenant. Dass du jeden einzelnen Körper berührst. Que tu bénisses chaque corps individuellement. Dass Schmerzen verschwinden. Que les douleurs disparaissent. Dass Heilung kommt. Que la guérison intervienne. Dass Krebs verschwindet. Que le cancer s'en aille. Herzprobleme geheilt werden. Que les problèmes cardiaques soient guéris. Gelenkprobleme. Problème d'articulation soit guéri. Hautprobleme. Problème de santé de peau. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Je te remercie que tu sois là ce soir. Jetzt und maintenant, hier. Maintenant, ici. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Abrite-moi sous tes ailes, sous sous tes ailes.
Laissez les paroles que vous avez entendues repasser dans votre cœur. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Et l'Écriture dit, et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête, tu me revêts de ton esprit. Face à ma difficulté, face à ma maladie, face à mes échecs, à mes craintes, à mes angoisses, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors que vous êtes là devant le Seigneur, ici dans ce lieu ou devant les écrans, dites au Seigneur quel est votre adversaire. Citez-le, c'est peut-être votre maladie. C'est peut-être votre situation personnelle. Peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal et auquel votre combat est de pardonner. Tant de situations. C'est peut-être quelqu'un qui a dit du mal de vous. Et aujourd'hui, vous avez tant de mal, vous, à le regarder. Votre cœur, ce que vous ressentez, dites-le au Seigneur. Père, je te bénis parce que tu connais la prière de chacun. Je te bénis parce que tu connais les luttes des uns et des autres. Je prie pour ceux qui sont malades devant leurs écrans. Je prie pour ma sœur Nadine. Je prie pour ceux qui traversent toutes sortes de difficultés. Tu as entendu et tu sais quels sont leurs adversaires. Peut-être la dépression, l'angoisse. Père, merci de ce que nous pouvons prier les uns pour les autres. Tout à l'heure, mon frère a prié pour les malades. Mais je te remets maintenant tous ceux et celles qui nous suivent ce soir. Et quel que soit l'ennemi qu'ils t'ont cité,
tu es avec eux à la table. Tu les rends plus que vainqueurs. Que ton nom soit béni et glorifié, qu'ils partent de ce lieu dans la paix, qu'ils partent de ce lieu dans le repos, qu'ils se souviennent que tu les conduis dans de verts pâturages, près des eaux tranquilles. Que la louange et la gloire te soient rendues. Nous allons terminer par ce chant qui dit « Si la lune me glace et le soleil menace, peu importe ce que je traverse, peu importe ce qui est devant moi, peu importe ce que l'on dit de moi, ce que je ressens, mon secours est toujours en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent,
De l'Éternel, nous avons trouvé notre secours. Nous te bénissons parce que tu nous as parlé par ta parole et nous voulons, fort de cette parole, laisser notre foi grandir afin que, face à l'adversité, également dans cette semaine, cette adversité qui peut venir d'une manière ou d'une autre, nous nous souvenions de ce que nous avons entendu ce soir. Et que nous puissions, face à nos adversaires, demeurer dans la paix, nous souvenant qu'une table a été dressée pour nous et que tu es assis avec nous à cette table. Que ta grâce repose sur chacun et chacune. Raccompagne-nous dans nos demeures et donne-nous, Seigneur, fort de cette paix et bien de communiquer la paix à ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous garde. Bonne rentrée à toutes et à tous. Et Dankeschön von ganzem Herzen, mein lieber Wilfried.